C'est ce mardi 2 octobre que s'est déroulée la nouvelle édition de la Brussels Blue Table sous le thème « La commune, démocratie de proximité ». L'association culturelle Clara réunit les mutualistes, politiques et syndicalistes libéraux pour débattre des moyens et enjeux d'une vraie politique libérale proche des citoyens. Et pour Françoise Berthiaud, l'enjeu est de taille. Mais je crois que c'est le seul endroit où on a vraiment un contact direct avec le concitoyen. C'est le seul endroit où les vraies préoccupations sont exprimées dans leur quotidien. Et je pense que si on est au fédéral, on est à la communauté, si on n'a pas une prise directe avec les gens, leurs préoccupations, on vit dans une bulle. Et donc la commune est un endroit extrêmement important. Mon idée sur les politiques, c'est que c'est des gens qui ne sont pas dans la réalité qu'on vit, tu vois. Généralement, ils sont à l'abri, généralement. Hein. Ils n'ont rien à voir avec moi, quoi, par exemple. Lors du débat, une projection de témoignages de Bruxellois a mis en avant le déficit d'image entre citoyens et politiques. Et pour l'échevine éterbécoise, la solution est d'abord dans la pédagogie. Mais moi, j'essaye d'expliquer. Je pense qu'il faut d'abord savoir écouter, il faut pouvoir entendre. Il faut aussi pouvoir expliquer les choix qu'on fait, parce que quand on prend une décision, choisir c'est renoncer, on a renoncé à d'autres voies, et il faut dire pourquoi on l'a fait. Je crois aussi malheureusement que parfois nos concitoyens accusent les politiques de tous les maux de la société, y compris parfois presque la météo, et parfois je les taquine aussi, parce que s'il n'y a pas une dose d'humour pour dire aux gens, écoutez, c'est pas de ma faute qu'il pleut aujourd'hui, mais ce ne sera pas grâce à moi qu'il y a du soleil demain, c'est un peu remettre les choses à leur juste place aussi. Une fois de plus, le débat entre libéraux a été animé mais constructif, prouvant l'importance des synergies d'idées dans le monde libéral bruxellois.